Les hivers de mon enfance étaient des saisons longues, longues. Nous vivions en trois lieux. L'école, l'église et la patinoire. Mais notre vraie vie était sur la patinoire. Les vrais combats se gagnaient sur la patinoire. La vraie force apparaissait sur la patinoire. Les vrais chefs se manifestaient sur la patinoire. L'école était une sorte de punition. Les parents ont toujours envie de punir les enfants et l'école était leur façon la plus naturelle de nous punir. De plus, l'école était un endroit tranquille où l'on pouvait préparer les prochaines parties de hockey, dessiner les prochaines stratégies. Quant à l'Église, nous trouvions là le repos de Dieu. On y oubliait l'école et l'on rêvait à la prochaine partie de hockey. À travers nos rêveries, il nous arrivait de réciter une prière. C'était pour demander à Dieu de nous aider à jouer aussi bien que Maurice Richard. Je me souviens très bien de l'hiver 1946. Tous, nous portions le même chandail que Maurice Richard. Le chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal. La meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous peignions nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Pour les tenir en place, nous utilisions une sorte de colle. Beaucoup de colle. Nous lassions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ces photographies. Vraiment, nous savions tout au sujet de Maurice Richard. Sur la glace, au coup de sifflet de l'arbitre, les deux équipes s'élançaient sur la rondelle. Nous étions cinq Maurice Richard contre cinq autres Maurice Richard à qui nous arrachions la rondelle. Nous étions 10 joueurs qui portions avec le même brûlant enthousiasme l'uniforme des Canadiens de Montréal. Tous, nous arborions au dos le très célèbre numéro 9. Comment oublier ça?
jour, mon chandail des Canadiens de Montréal était devenu trop étroit. Puis il était déchiré, ici et là, troué. Ma mère me dit, « Avec ce vieux chandail, tu vas nous faire passer pour des pauvres. » Alors, elle fit ce qu'elle faisait chaque fois que nous avions besoin de vêtements. Elle commença à feuilleter le catalogue que la compagnie Eaton nous envoyait par la poste chaque année. Ma mère était fière. Elle n'a jamais voulu nous habiller au magasin général du village. Seule pouvait nous convenir la dernière mode du catalogue Eaton. Ma mère n'aimait pas les formules de commande incluses dans le catalogue. Elles étaient écrites en anglais. Elle n'y comprenait rien. Pour commander mon chandail de hockey, elle fit ce qu'elle faisait d'habitude. Elle prit son papier à lettres et elle écrivit de sa douce calligraphie d'institutrice. Cher Monsieur Eaton, auriez-vous l'amabilité de m'envoyer un chandail de hockey des Canadiens? Pour mon garçon qui a 10 ans et qui est un peu trop grand pour son âge et que le Dr Robitaille trouve un peu trop maigre. Je vous envoie 3 piastres et retournez-moi le reste s'il en reste. J'espère que votre emballage va être mieux fait que la dernière fois. Monsieur Eaton répondit rapidement à la lettre de ma mère. 2 semaines plus tard, nous recevions le chandail. Mon chandail arrive! Ce jour-là, j'ai eu l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Je peux dire que j'ai, ce jour-là, connu une très grande tristesse. Au lieu du chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal, M. Eaton nous avait envoyé un chandail bleu et blanc avec la feuille d'érable au-devant, le chandail des Maple Leafs de Toronto. J'avais toujours porter le chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal. Tous mes amis portaient le chandail bleu, blanc, rouge. Jamais dans mon village,
quelqu'un n'avait porté le chandail de Toronto. Et de plus, l'équipe de Toronto se faisait terrasser régulièrement par les triomphants canadiens. Les larmes aux yeux, j'ai trouvé assez de force pour dire « Je porterai jamais cet uniforme-là. » « Mon garçon, tu vas d'abord l'essayer. » Si tu te fais une idée sur les choses, avant de les essayer, mon garçon, tu n'iras pas très loin dans la vie. Et ma mère m'avait enfoncé sur les épaules le chandail bleu et blanc des Maple Leafs de Toronto. Et déjà, j'avais les bras enfilés dans les manches. Elle tira le chandail sur moi et s'appliqua à aplatir tous les plis de cette abominable feuille d'érable sur laquelle, en pleine poitrine, étaient écrits les mots « Toronto Maple Leafs ». Je pleurais. « Je pourrais jamais porter ça! » « Pourquoi? Ce chandail-là te va très bien, comme un gars. » Maurice Richard se mettrait jamais ça sur le dos. Tu n'es pas Maurice Richard. Puis c'est pas ce qu'on se met sur le dos qui compte, c'est ce qu'on se met dans la tête. Vous ne me mettrez pas dans la tête de porter le chandail des Maple Leafs de Toronto! Ma mère eut un gros soupir désespéré et elle m'expliqua. Si tu gardes pas ce chandail qui te fait très bien, il va falloir que j'écrive à M. Eaton pour lui expliquer que tu ne veux pas porter le chandail de Toronto. M. Eaton, c'est un Anglais. Il va être insulté parce que lui, il aime les Maple Leafs de Toronto. Et s'il est insulté, penses-tu qu'il va nous répondre très, très vite? Le printemps va arriver et tu n'auras pas joué une seule partie parce que tu n'auras pas voulu porter le beau chandail bleu que tu as sur le dos. Je fus donc obligé de porter le chandail des Maple Leafs. Quand je suis arrivé à la patinoire avec ce chandail, tous les Maurice Richard en bleu, blanc, rouge se sont approchés un à un pour regarder ça. Au coup de sifflet de l'arbitre, je partis prendre mon poste habituel. Le chef d'équipe est venu me prévenir que je ferais plutôt partie de la deuxième ligne d'attaque. Quelques minutes plus tard, la deuxième ligne d'attaque fut appelée. Sauté sur la glace, le chandail de Maple Leafs pesait sur mes épaules comme une montagne. Le chef d'équipe est venu me dire d'attendre. Il aurait besoin de moi plus tard à la défense. À la troisième période, je n'avais pas encore joué. Un des joueurs de défense reçut un coup de bâton sur le nez. Il saignait. Je sautais sur la glace. Mon heure était venue. Thank you.
l'arbitre siffla. Il m'a infligé une punition. J'avais sauté sur la glace quand il y avait encore 5 joueurs. C'en était trop! C'était injuste! C'est de la persécution! C'est à cause de mon chandail bleu! J'ai frappé mon bâton sur la glace si fort qu'il s'est brisé. Soulagé, je me suis penché pour ramasser les débris et me relevant, je vis le jeune vicaire en patin devant moi. Mon enfant, dit-il, ce n'est pas parce que tu as un petit chandail neuf des Maple Leafs de Toronto, au contraire des autres, que tu vas nous faire la loi. Un bon jeune homme ne se met pas en colère. Enlève tes patins et va à l'église demander pardon à Dieu. Avec mon chandail des Maple Leafs de Toronto, je me suis rendu à l'église et j'ai prié Dieu. J'ai demandé à Dieu qu'il envoie au plus vite 100 millions de mythes qui viendraient dévorer mon chandail des Maple Leafs de Toronto.